Bonjour, bienvenue, bon matin. Nous allons commencer par un home d'amour pour toutes celles et ceux qui sont là. Une respiration. Ressentez bien les pieds. Et nous allons activer le yogi interne. J'active mon yogi interne. Je permets, j'autorise, je me rappelle de toutes mes mémoires de yogi. Ouh, je pleure, je permets, j'autorise. Voilà, ressentez en vous, dans vos pieds. Vous savez, quelque part en vous, faire du yoga. Et si je pleure, je pleure. Une grande inspiration. Un âme dans les pieds. Toute la conscience dans les pieds. Une respiration. Les mains se lèvent et nous allons monter sur les doigts de pied en ouvrant les yeux, en regardant en face. Ça monte, ça monte, ça monte. Les abdos se contractent, les muscles fessiers, les bras, les mains montent, montent, montent. Ressentez une jouissance dans l'étirement du dos et des omoplates. Une respiration. Grande inspiration par le nez. 1, 2, 3, abandon. Et si je pleure, je pleure. Voilà, ressentez une stabilité aussi. Et plus je monte, je monte, je monte, plus c'est facile. 1, 2, 3. Ah oui, ça monte, ça monte. Les bras, les mains. Je suis comme suspendu par une force invisible. Ah, et tout le dos se libère. Une respiration. 1, 2, 3. Et je me concentre et je me focalise sur un point en face. Ressentez la connexion au corps physique. Inspiration. 1, 2, 3. Je trouve mon équilibre. Je permets, j'autorise. Je suis l'équilibre. Je permets, j'autorise. N'hésitez pas à dire je permets, j'autorise au fur et à mesure. Une respiration. 1, 2, 3. Voilà, et ça monte, ça monte, ça monte. Je monte, je monte, je monte. Inspiration. 1, 2, 3. Ah oui, gratitude. Et nous allons redescendre tout doucement. Les bras, les mains, le dos, tout descend. 1, 2, 3. Et nous laissons tout retomber. Il y a juste à inspirer par le nez. 1, 2, 3, abandon. Inspiration. 1, 2, 3, abandon. Inspiration, expiration là où ça tire. 1, 2, 3.
2, 3. Inspiration par le nez. Inspiration profonde avec le plus d'air possible. Retenez. 1, 2, 3. Abandon. Vous ressentez dans votre corps. Que se passe-t-il dans votre corps maintenant? Est-ce que ça tire à certains endroits? Inspirez, expirez. Là où ça tire. 1, 2, 3. Ça s'abandonne, je m'abandonne. À chaque expiration, tout est relâché. 1, 2, 3, abandon. Non, rien à discuter. Éteignez le mental. Inspiration. 1, 2, 3. Et tout doucement, nous allons remonter depuis le bas du dos. Et de nouveau en position verticale, les bras, les mains montent, montent, montent. La conscience dans les pieds. Ressentez tout le poids de votre corps dans les pieds. Et si je pleure, je pleure. Vous êtes de nouveau suspendu par le haut. Une respiration. 1, 2, 3, les bras en croix. Et la posture des 5 tibétains, une des postures. Si vous n'avez pas de problème de cervical, la colonne en arrière. Ah oui. La mâchoire qui se détache. Grimace pour étirer. La mâchoire. Autorisation de la jouissance de l'étirement. Je permets, j'autorise. Et les mains soutiennent le bas du dos. Voilà, n'hésitez pas à dire je permets, j'autorise. Autorisation de la jouissance de l'étirement. Inspiration. 1, 2, 3. Je m'autorise à exprimer ma jouissance. Je permets, j'autorise. Inspiration. 1, 2, 3. Je verbalise ce que je ressens et je verbalise aussi ma jouissance. Je permets, j'autorise. Je retrouve l'entièreté de mon verbe créateur. Je permets, j'autorise. Et ça s'étire, je m'étire. Toute la colonne s'étire. Sans forcer. Inspiration. 1, 2, 3. Les yeux fermés, connectés à mon corps physique, je ressens. Un bien-être, un étirement, une légèreté.
des libérations. Inspiration par le nez. 1, 2, 3. Ah oui. Inspiration par le nez. 1, 2, 3. Abandon. Ah. Ah. Et je m'étire tout doucement. La mâchoire s'étire aussi. Écartez la mâchoire au maximum. Voilà, c'est plein de tension dans la mâchoire aussi. 1, 2, 3. Ah. 1, 2, 3. Et je m'abandonne à la posture. 1, 2, 3. Ah. La conscience dans les pieds, ressentez dans les pieds une connexion à la terre, une connexion au corps physique. 1, 2, 3. Et les mains aussi vous font un soin dans le bas du dos. Inspiration. 1, 2, 3. Je m'étire, je ferme et j'autorise. Inspiration par le nez. 1, 2, 3. Je m'abandonne, je ferme et j'autorise. Ah, je me fais plaisir, je ferme et j'autorise. Inspiration. 1, 2, 3. Et nous allons tout doucement revenir en position verticale. Les bras, les mains. Monte, monte, monte de nouveau, les yeux ouverts, et nous allons monter sur la pointe des pieds en focalisant un point fixe en face. Ressentez votre équilibre. Et plus je suis dans mon corps, plus je suis connecté au corps physique et plus je peux être en équilibre. Une respiration. 1, 2, 3, et ça monte, ça monte, ça monte. C'est plus facile si ça monte. 1, 2, 3. Et je monte, je monte, je monte. Contraction des fessiers, des abdos. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Grande inspiration. 1, 2, 3. Et je monte, je monte, je monte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Focalisation, je permets, j'autorise. Concentration, je permets, j'autorise. Ressenti corporel, je permets, j'autorise. Inspiration. 1, 2, 3. Fluidité dans le corps, je permets, j'autorise. Prise en charge du groupe, de toutes celles et ceux qui sont là, à distance et en physique. Une respiration. 1, 2, 3. Merci. Et nous redescendons tout doucement. Les bras, les mains, la tête, voilà, tout s'abandonne. Inspiration. 1, 2, 3. Inspirez, expirez là où ça tire, peut-être l'arrière des cuisses ou le bas du dos. Inspiration par le nez. Retenez, 1, 2, 3, et tout doucement, je m'abandonne, et j'expire, 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 je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. Inspiration, 1, 2, 3,
1, 2, 3, abandon. Inspiration, expiration en continu. 1, 2, 3. 3. Et puis tout doucement depuis le bas du dos, je remonte tranquillement. Les bras, les mains montent. Et de nouveau les bras en croix, la tête en arrière si je n'ai pas de problème de cervical. Ah oui. Ah. Inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Ah. Gratitude, ressentez la jouissance de l'étirement. Le corps qui se réchauffe, ça circule dans le corps. 1, 2, 3. Ah. Je m'autorise la jouissance de l'étirement, n'hésitez pas. Ah oui, les mains soutiennent le bas du dos. 1, 2, 3. Ah 1, 2, 3. Et juste à inspirer, expirer. 1, 2, 3. Inspiration par le nez. Il n'y a plus personne qui parle, il n'y a pas besoin de parler pendant le yoga. C'est une méditation pour aller à l'intérieur et pour écouter le corps. Élimination des systèmes de fuite, je permets, j'autorise. Ah, ah. Inspiration. 1, 2, 3. Ah 1, 2, 3. Je m'autorise à roter. Je permets, j'autorise. Je ne m'excuse pas quand je rote. Je permets, j'autorise.
Ah. 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 Inspiration. 1, 2, 3. Ah oui. Inspiré par le nez, expiré par la bouche. Et je m'étire. 1, 2, 3. Et nous allons revenir en position initiale. Voilà, depuis le bas de dos, du dos, revenons en position droite. Les bras, les mains montent, montent, montent. Les bras montent, montent, montent. 1, 2, 3. Et le coude droit se plie. Le coude droit monte, monte, monte. Étirement de tout le dos. Inspiration. Expiration, là où ça tire. Inspiration. 1, 2, 3. Et le coude droit monte, monte, monte. 1, 2, 3. À l'intérieur, ressentez le corps tout en inspirant et en expirant. 1, 2, 3. Ah oui, jouissance de l'étirement. Le dos est content. Pour ma part, depuis que je fais ce yoga, j'ai plus du tout mal au dos. Ça devient quasiment impossible d'avoir mal au dos d'ailleurs, puisque le dos est toujours souple. Ouh, je pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Et plus je m'abandonne à mon corps physique, plus j'écoute le corps physique et moins j'ai des douleurs, évidemment. Plus je m'étire, plus j'ai une belle posture, plus je peux voir la perfection de ce corps physique. Alors dites avec moi, j'incarne la perfection de ce corps physique. Je permets, j'autorise. Je vis la perfection dans ce corps physique. Je permets, j'autorise. Je crée ma posture parfaite. Je permets, j'autorise. Quand je marche, quand je cours, quand je suis assis, je suis toujours avec la posture parfaite. Je permets, j'autorise. Je respecte mon corps physique. Je permets, j'autorise. Je pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Et puis, de nouveau les deux bras en l'air. Je monte, je monte, je monte les mains. Et c'est le coude gauche maintenant qui se plie. Inspiration. 1, 2, 3. J'apprends à écouter mon corps physique. Je permets, j'autorise. Une respiration. 1, 2, 3. Chaque jour, je passe du temps avec mon corps physique. Je permets, j'autorise. J'ai une relation d'amitié et d'amour avec mon corps physique. Je permets, j'autorise. Je me laisse tomber amoureuse, amoureux de mon corps physique. Je permets, j'autorise. J'ai le droit d'être intime avec mon corps physique. Je permets, j'autorise. Je suis la douceur dans mon corps. Je permets, j'autorise. Ouh, je pleure. Laissez pleurer. Une respiration. Et je monte, je monte, je monte. Le coude gauche. Inspiration. Expiration. Je laisse rôter mon corps physique. Je permets, j'autorise. Je laisse pleurer mon corps physique. Je permets, j'autorise. Je laisse rire mon corps physique. Je permets, j'autorise. Je suis vivante, vivant. Je permets, j'autorise. Inspiration. 1, 2, 3. Inspiration profonde. 1, 2, 3. Thank you.
Voilà. Et maintenant, le bras droit monte, monte, monte. Le bras gauche reste le long du corps. Et nous allons faire une demi-lune en tournant sur le côté gauche. Ah, en autorisant la jouissance de l'étirement. Ah oui. Ah, je m'étire. Je me fais du bien. Ah, gratitude. 1, 2, 3. Ah, étirement du cou aussi. La tête se penche. Étirement du haut des cuisses, en fait, des fessiers, du haut des fesses, des hanches, en fait. Ah oui, gratitude. Allez jusqu'à la jouissance de l'étirement, jusqu'à l'orgasme pour ceux qui peuvent. Inspiration. 1, 2, 3. Ah, je m'abandonne à la demi-lune. Oui. Ah, gratitude. Ah, inspiration. 1, 2, 3. Ah. Et je m'étire, je m'étire, je m'étire. Inspiration. 1, 2, 3. Et nous revenons tout doucement, tout doucement, tout doucement en position verticale. L'autre bras, le bras gauche monte, monte, monte. Le bras droit le long du corps et la demi-lune à droite. Ah, inspiration. 1, 2, 3. La conscience aussi dans le pied droit, le pied gauche se soulève. Et je m'étire le cou. Ah oui, le bas du dos, le dos. Ah, ah oui, c'est orgasmique de plus en plus. Inspiration. 1, 2, 3. Ah. Une respiration. 1, 2, 3. Ah oui, je m'abandonne à l'étirement, à la posture. 1, 2, 3. Ah, gratitude. Ça circule de plus en plus. 1, 2, 3. Ah, ah. Laissez faire et plus je m'abandonne, plus il y a de la jouissance. 1, 2, 3. Élimination des programmes qui résistent. Je permets, j'autorise. Je m'abandonne totalement à la posture. Je permets, j'autorise. Ah, gratitude. Et nous revenons tout doucement. Wouhou! Ah, les pieds bien plaqués au sol. Le buste bien droit. Les épaules légèrement en arrière. Ressentez une grande verticalité. Les pieds. Peut-être humide, qui font ventouse, quelque chose se passe, une connexion à la terre. Nous allons faire un ham dans les pieds. Sur les hanches, nous allons maintenant tournoyer. Nous allons faire des ronds avec les chevilles, les genoux, les hanches, les ronds qui vont grandir progressivement. 1, 2, 3 pour aller même en dehors du tapis à gauche et à droite. Les genoux légèrement fléchis. Inspiration. 1, 2, 3. Ressentez les progrès jour après jour. C'est de plus en plus fluide, c'est de plus en plus libre, léger, légère. Inspiration. 1, 2, 3, nous tournons dans un sens. Inspiration profonde. 1, 2, 3. Inspiration. Voilà, ressentez une mobilité dans le bassin. Vous voyez l'évolution jour après jour.
2, 3. Et dans l'autre sens, nous changeons de sens. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Ressentez une paix. Quelque chose de calme. Je suis posé dans le corps. Une respiration. 1, 2, 3. Inspiration profonde. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, ressentez une connexion. Inspiration. 1, 2, 3. Voilà, et nous allons revenir en position verticale avec de nouveau le buste en arrière. Ah, ah, ah. Inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Ah, ah. Voilà, c'était un petit retour en arrière. Et de nouveau en position verticale. Un ham dans les pieds. Ce n'est pas vous qui faites le ham, mais que je m'abandonne au ham et le ham se vit à travers moi. Ouh, je pleure. J'autorise le ham à se faire, je permets, j'autorise. Et je permets, j'autorise aussi le home à se faire, je permets, j'autorise. Je m'abandonne, je permets, j'autorise. J'apprends à m'abandonner, je permets, j'autorise. Ah. Et nous allons maintenant nous mettre en position assise pour le papillon. Les pieds se rejoignent, plante des pieds se rejoignent. Et les genoux montent et descendent. Inspiration. 1, 2, 3. Inspiration profonde. 1, 2, 3. Juste à fermer les yeux, ressentir. 1, 2, 3. Sans s'arrêter, inspiration par le nez, puis expiration par la bouche. 1, 2, 3. Voilà, nous allons enchaîner avec
la grenouille maintenant. Avant, nous faisions le papillon, en fait. La grenouille, oui. 1, 2, 3, les pieds bien à plat. Trouver un équilibre. Et laisser faire la pesanteur. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Deux, trois. À chaque expiration, je m'abandonne un peu plus. Inspiration profonde. Expiration. La conscience dans les pieds, dans le bassin. Là où ça tire, si ça tire quelque part. Trois. Inspiration. 3. Ne forcez pas si vous avez mal arrêté, hein, si vous êtes nouveau nouvelle. Adaptez aussi la posture si c'est compliqué. Inspiration. 1, 2, 3. Retenez et tout doucement. Élimination des programmes qui résistent. Je permets, j'autorise. Inspiration. 1, 2, 3. Élimination des programmes qui croient que je ne peux pas faire du yoga. Je permets, j'autorise. Élimination des programmes qui croient que c'est inconfortable. Je permets, j'autorise. Je m'abandonne à l'expérience du yoga. Je permets, j'autorise. 1, 2, 3. On fait roter. Si je rote, je rote. 1, 2, 3. C'est moi qui décide maintenant. Je permets, j'autorise. Des identifications de l'identité qui fuit. Je permets, j'autorise. Élimination des systèmes de fuite. Je permets, j'autorise. Ah, je pleure, voilà. Inspiration. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Élimination des programmes qui me font partir de l'inconfort. Je permets, j'autorise. J'aime l'inconfort. Je permets, j'autorise. Je reconnais que je grandis dans ma zone d'inconfort. Je permets, j'autorise. Je ne suis pas le programme qui trouve ça inconfortable. Je permets, j'autorise. Je suis confortable en tout. Je permets, j'autorise. Car il n'y a que moi. Je permets, j'autorise. Ouh, je pleure. Une inspiration. 1, 2, 3. Inspiration. Et nous allons de nouveau nous remettre assis tout doucement, pas de mouvement brusque entre les postures, tout doucement assis et le buste en arrière, le talon qui touche le périnée, gratitude, étirement de la mâchoire, Alors, nous allons dire, je laisse digérer, je permets, j'autorise. Je digère plein d'énergies différentes, je permets, j'autorise. Je ne freine pas mon système de digestion, je permets, j'autorise. Ah oui. Et nous allons enchaîner aussi avec la planche pour celles et ceux qui veulent. 1, 2, 3. Ah, le buste, voilà, il est un peu en arrière, le bassin monte, monte, monte. La planche. Ah! Inspiration. 1, 2, 3. Ah! Oui! Jouissant de l'étirement. La tête s'abandonne en arrière.
Ah, ça fait du bien. Ah, je m'autorise à rechercher la jouissance en toutes choses. Je permets, j'autorise. Je suis venu jouir de la vie. Je permets, j'autorise. 1, 2, 3. Ah, contraction des abdos et des muscles fessiers. Le bassin monte, monte, monte. Et je monte, je monte, je monte. Le bassin monte. Ah. Et je m'abandonne à la posture. Je ferme, je ferme. Inspiration. 1, 2, 3. Ah. Oui. Ah. Inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Ah. Encore. 1, 2, 3. Ah. Et le bassin monte, monte, monte. Je monte le bassin. Ah. Inspiration. 1, 2, 3. Ah. Et je ressens une paix, un calme. Mon corps fait des postures, je le regarde faire les postures, je permets, j'autorise. Je laisse mon corps autonome, je permets, j'autorise. J'ai confiance dans mon corps, je permets, j'autorise. Je ne suis plus l'identité qui empêche mon corps d'exister et d'être. Je permets, j'autorise. Je redonne ma liberté à mon corps, je permets, j'autorise. Ah oui! Je vis en communion avec mon corps, je permets, j'autorise. Inspiration. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Faites ce que vous avez envie, si c'est trop, bah, juste arrêtez. Ah oui, c'est jouissif un moment. Inspiration. 1, 2, 3. Ah, ah. Gratitude pour le yoga de la jouissance, le yoga tantra. J'investis dans les pratiques qui me donnent de la jouissance. Je permets, j'autorise. Je m'autorise les pratiques jouissives. Je permets, j'autorise. Gratitude au tantra, je permets, j'autorise. Inspiration. 1, 2, 3. Ne forcez pas, hein, si c'est assez pour vous. En fait, dans cette posture, c'est plus vous la laissez durer longtemps, plus c'est jouissif, en fait. C'est ça qui est drôle. C'est que... Ah. Et ça va être comme ça pour toutes les postures, en fait. Inspiration. 1, 2, 3. Ah. Allez, je redescends. Tout doucement, les fessiers redescendent. Et de nouveau, en arrière. Inspiration. 1, 2, 3. Ah. Ah. Et je reviens tout doucement en position verticale. Nous allons enchaîner avec le chat. On va faire le chat. Voilà, le chat et les postures libres. Une respiration. 1, 2, 3. Le chat qui fait le dos rond et qui s'étire. Ah oui! Les fesses en arrière, le bas du dos s'étire. Inspiration. 1, 2, 3. Ah! Ah! Waouh! Ressentez, laissez faire le corps. Tous les chats savent très bien s'étirer. Inspiration. 1, 2, 3. Et je laisse faire. Ça se fait tout seul. Ah! Ah.
expiration. 1, 2, 3. Et posture libre aussi, faites ce que vous avez envie, ce que votre corps vous demande. Laissez-le faire. 1, 2, 3. Ah oui. Inspiration. 1, 2, 3. Expiration. Ah oui. Posture libre, recherchez la jouissance dans les postures libres aussi. Ah, inspiration. 1, 2, 3. Ah, inspiration. Expiration. Ah, 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Et nous allons enchaîner avec le sphinx. Le bassin bien plaqué au sol. Le buste remonte, la tête en face. Nous sommes en Égypte. Oui. Inspiration. 1, 2, 3. Gratitude, ressentez les yeux fermés. Un étirement dans tout le bassin, le bas du dos, le bas de la colonne. Ah oui, il y a une jouissance de l'étirement dans le bas du dos peut-être. Inspiration. 1, 2, 3. Ressentez les premiers chakras bien plaqués au sol, bien connectés à la terre. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Tranquillement, avec douceur et tendresse, chaque posture, un abandon au corps physique. Il n'y a rien à forcer. C'est doux, c'est lent, c'est tranquille. Inspiration. 1, 2, 3. Et si je tremble, eh bien je tremble un peu. Inspiration par le nez. 1, 2, 3, abandon. Et puis nous allons tout doucement nous allonger sur le ventre. La tête à droite ou à gauche. Repos. Alors, une inspiration. 1, 2, 3. Je m'abandonne totalement à la terre. Je permets, j'autorise. Je relâche tout. Je permets, j'autorise. Je désactive tout ce qui résiste. Je permets, j'autorise. Je désactive tout ce qui veut contrôler. Je permets, j'autorise. Je m'abandonne à la planète Terre. Je m'abandonne à l'attraction terrestre, à la pesanteur,
Je permets, j'autorise. Une inspiration. 1, 2, 3. Et je m'abandonne de plus en plus, je lâche tout, je permets, j'autorise. Inspiration par le nez. Expiration, abandon par la bouche. Ressentez le bonheur d'exister. Je permets, j'autorise. Je suis le bonheur. Je permets, j'autorise. J'ai tout ce qu'il me faut en moi. Je permets, j'autorise. Le bonheur se trouve à l'intérieur. Je permets, j'autorise. Inspiration. Abandon. Libération des programmes qui stressent. Je permets, j'autorise. Je m'autorise à me reposer et à ne rien faire par moment. Je permets, j'autorise. Élimination des programmes qui veulent faire des choses tout le temps. Je permets, j'autorise. Je suis le bonheur, je permets, j'autorise. Il n'y a rien d'autre que moi, je permets, j'autorise. Je peux me voir en toute chose, je permets, j'autorise. Élimination des programmes qui font croire que je suis séparé, je permets, j'autorise. Je suis uni avec toute chose, je permets, j'autorise. Car tout est moi, je permets, j'autorise. Je réalise ma véritable nature, je permets, j'autorise. Je suis tout ce que je vois, je permets, j'autorise. Je suis tout ce que je sens, tout ce que j'entends, je permets, j'autorise. Grande inspiration. 1, 2, 3. Et puis nous allons nous mettre sur le dos tranquillement en passant sur le côté. Tout doucement. Le bas du dos bien à plat. Respiration.
2, 3. Les bras, les mains vont en arrière. Posture du plongeur et de la plongeuse. Et le bassin monte tout doucement. Ah oui, ça fait du bien. Étirement des cuisses. Contraction des abdos, contraction des muscles fessiers. Ah oui. Et je monte le bassin. Les cuisses se contractent. 1, 2, 3. Ah, gratitude. Oui. Une respiration. 1, 2, 3. Inspiration profonde. 1, 2, 3. Abandon. La conscience dans les pieds. Ressentez une connexion. Et si je pleure, je pleure. 1, 2, 3. Et je redescends. Le bas du dos redescend. Le buste remonte et les mains attrapent les pieds. Inspiration. 1, 2, 3. Le dos rond, la tête entre les genoux. 1, 2, 3. L'orteil du pied droit gratte l'oreille gauche pour ceux qui peuvent. La version indienne. Inspiration. 1, 2, 3. Et à 3, les genoux vont tomber à gauche. 1, 2, 3. Le bras droit est bien plaqué au sol. L'épaule droite surtout reste bien au sol. Le bras s'étend, la tête tourne à droite. Ah oui. Et la main gauche appuie sur les genoux à gauche. Ah, gratitude. 1, 2, 3. Ah oui. Une respiration. 1, 2, 3. Ah, gratitude, oui. Torsion, tout doucement, je m'étire. Ah, c'est chacun qui dose. Voilà la puissance de la torsion. 1, 2, 3. Il y a juste à inspirer, expirer, là ça s'étire. Namaha.
Et tout doucement, nous revenons sur le dos. Tout doucement. Inspiration. 1, 2, 3. Les mains attrapent les pieds de nouveau. Et le buste remonte. Inspiration. 1, 2, 3. Le dos rond. La tête entre les genoux. 1, 2, 3. Et puis à 3, les genoux vont aller à droite. Inspiration. 1, 2, 3. Le bras gauche plaqué au sol, l'épaule gauche au sol. Et la tête tourne à gauche. La main droite appuie sur les genoux à droite. Ah, et torsion. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Inspiration profonde. 1, 2, 3, abandon. On continue, inspiration, expiration. Sachidananda Parabrahma. Puis nous revenons tout doucement sur le dos. Repos. Namaha.
Faire un home d'amour pour toutes celles et ceux qui sont là, à Saint-Nexant ou ailleurs. Une respiration. 1, 2, 3. C'est la partie réalisation du jour. Une respiration. 1, 2, 3. Et juste à écouter. Inspiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir le mécanisme. Quelque chose au fond de moi se cherchait. Ouh, je pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Dans chacun d'entre nous, quelque chose se cherchait. Laissez pleurer ici sa peur. Une respiration. 1, 2, 3. J'étais de nature curieuse. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de savoir ce que je suis et pourquoi j'étais là. Ouh, je pleure. Je m'autorise à comprendre. Je permets, j'autorise. J'ai le droit de comprendre. Je permets, j'autorise. Ouh, je pleure. Une respiration. 3. J'avais la possibilité de réaliser ma véritable nature. Je permets, j'autorise. J'étais celle et celui qui ne voulait pas se définir pour ne pas s'enfermer dans quelque chose. Ah, je permets, j'autorise. J'avais le droit aussi de ne pas me définir. Ah, je pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Grande inspiration. 1, 2, 3. Grande inspiration profonde. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir en éliminant une grande partie des programmes, en éliminant l'identité. Tout allait devenir beaucoup plus simple. Ouh, je pleure. Je permets, j'autorise la simplicité. J'avais besoin de voir la création des problèmes par l'identité, la création des difficultés, des questions aussi par l'identité, en allant dans le cœur, dans l'amour, dans ce que je suis, tout allait se simplifier. Je permets, j'autorise. Une respiration. 1, 2, 3. J'ai besoin de voir
l'identité, les programmes qui étaient toujours en train de parler. Une respiration. 1, 2, 3. Désactivation des systèmes de fuite pour l'ensemble du groupe. Merci, je permets, j'autorise. Je reste maintenant présent. Je suis la présence, je permets, j'autorise. Je suis le silence, je permets, j'autorise. Une grande inspiration. 1, 2, 3. Je suis l'immobilité, je permets, j'autorise. Je suis la paix, je permets, j'autorise. Je suis l'abandon à soi, je permets, j'autorise. Je suis celle et celui qui est, je permets, j'autorise. Inspiration. 1, 2, 3. Je suis celle et celui qui sait dans le cœur. Je permets, j'autorise. Je suis celle et celui qui célèbre et qui honore tout ce que je suis. Je permets, j'autorise. Je suis celle et celui qui s'autorise à vivre pleinement. Je permets, j'autorise. Je suis celle et celui qui est libre. Je permets, j'autorise. Ouh, je pleure. Inspiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir, je suis de nature sauvage. Je recherche en permanence ma liberté. Je permets, j'autorise. Ouh, je pleure. Une inspiration. 1, 2, 3. Je ne suis pas différent des animaux sauvages qui ont besoin de liberté. Je permets, j'autorise. J'utilise mon cerveau et mon mental au service de l'amour et de la liberté. Je permets, j'autorise. Une respiration. 1, 2, 3. Je vis depuis le cœur et l'amour. Je permets, j'autorise. Je permets et j'autorise la lumière et l'amour à libérer tous mes systèmes. Je permets, j'autorise. Inspiration. 1, 2, 3. Et nous allons maintenant passer à la partie initiation. En priorité, celles et ceux qui ne sont pas passés encore. Il y en aura aussi jeudi, vendredi matin et samedi matin. Les initiations d'éveil, de réalisation du soi, d'éveil de Kundalini, Shaktipat, une respiration. 1, 2, 3. Il y a juste à ressentir, à laisser vibrer, pleurer, être.
Une grande inspiration. 1, 2, 3. C'est aussi une partie méditation. On a juste à fermer les yeux et ressentir à l'intérieur. Inspiration profonde. 1, 2, 3. Les yeux fermés, un om d'amour pour celle qui passe. Inspiration. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Du premier chakra du périnée. Ta vie qui n'est pas encore là. Plus d'amour, un chéri. Oui, je pleure. Une inspiration. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir un chéri? Ouh, je pleure. Pourquoi je ne m'autorise pas à avoir un chéri? Ah, je pleure. Alors, il y a juste à écouter. J'avais besoin de reconnaître que je manifeste ma réalité. Je permets, j'autorise. Qu'il n'y a rien d'extérieur à ce que je suis. Je permets, j'autorise. Et qu'il n'y a aucune difficulté technique à créer autant de chéris que je veux. Je permets, j'autorise. Alors, donc je m'étais identifié à l'identité, et dans l'identité, il y avait beaucoup de programmes qui allaient m'empêcher d'avoir un chéri. Ouh, je pleure. Alors, quels sont les programmes qui m'empêchent de créer un chéri? Inspiration. 1, 2, 3. Et qu'est-ce que tu fais pour créer un chéri dans ta réalité? Qu'est-ce que tu as fait? Ouais. Est-ce que le fait de sortir crée le chéri? Non. Ouais. Alors. J'ai besoin de voir les programmes qui ne veulent pas du chéri. Ouh, je pleure. Tu sens? Il y a des programmes qui veulent pas du tout d'un chéri. Je veux rester toute seule, bien tranquille.
avec moi-même. Je veux pas m'encombrer d'un chéri. Tu vois le programme? Ah! Je croyais qu'un chéri allait m'enfermer. Ouh, je pleure. Je croyais que j'allais répondre à tous mes besoins toute seule. Ouh, bah, y en a des programmes. Je pleure. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir que j'ai plusieurs programmes qui s'opposent en moi. Il y a le cœur, l'amour, l'être que je suis, le grand soi, qui évidemment s'ouvre à toutes les perspectives et ne se refuse rien. Et puis il y a tous les petits programmes, il y a l'identité, tous les petits programmes qui racontent des histoires. Laisse rôter, ne retiens pas. Et l'inspiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir chaque programme. Pour pouvoir modifier en fait mes systèmes, pour me mettre en mesure de créer un chéri dans ma réalité. Ah. Alors, il y a plein de programmes. Donc, j'avais besoin de voir que les programmes s'incarnent en croyance en fait. Hein. Qu'un programme est une croyance est un programme. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, j'élimine le programme qui me fait croire que je ne mérite pas d'avoir un chéri. Je permets, j'autorise. Ouh, je pleure. Comment tu te sens? Je pleure ou pas? Dis je pleure quand je pleure. Ouais. Ok, je frissonne. Ok. Ouh, une respiration. 1, 2, 3. J'élimine le programme qui me fait croire que je vais perdre ma liberté avec un chéri. Je permets, j'autorise. Prise en charge par la lumière et par l'amour de toutes celles et ceux qui sont là. J'élimine le programme qui me fait croire que le chéri va me dominer et m'oppresser. Je permets, j'autorise. J'élimine le programme qui me fait croire que le chéri va m'enfermer. Je permets, j'autorise. J'active le discernement en moi. Je permets, j'autorise. Une respiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens? Plus légère. Ok. Oui, mais oui, la colonne bien droite, c'est bien, c'est très important la posture en fait. Hein. Plus que ce que je crois. Voilà, tenez-vous bien droit, bien droite, bien aligné. Une respiration. 1, 2, 3. Alors après, c'est pourquoi je crois que tous les chéris, enfin tous les hommes sont pareils. Alors j'élimine le programme qui me fait croire que tous les hommes sont pareils. Je permets, j'autorise. Ils sont tous différents. Je permets, j'autorise. Alors j'avais besoin de voir que c'est moi qui les crée en plus, les hommes. Ah, de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, par conséquent, je peux créer ce que j'ai envie, en fait. Voilà. J'avais besoin d'apprendre à définir ce que je veux. Je permets, j'autorise. Voilà. Alors, j'avais besoin de voir qu'en fait, la société nous vend du prêt à aimer, entre guillemets. Et que les hommes sont, beaucoup d'hommes en tout cas, ont gobé le prêt à aimer. Et c'est des identités qui jouent à être des identités de telle ou telle façon. Mais ils sont pas vraiment eux. Tu vois ce que je veux dire? Ouh, je pleure. Voilà. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, nous pouvons dire, je crée dans ma réalité un homme vrai. Alors, je permets, j'autorise. Un homme authentique. J'autorise. Un homme amoureux de moi, mais j'autorise. Un homme qui sait s'abandonner à moi, j'autorise. Qu'est-ce que tu veux d'autre dans les comment? T'as des caractéristiques ou... Ah bah là, comme c'est toi l'être, c'est toi la créatrice du monde et de ta vie,
tu vas prendre un homme qui a reconnu sa divinité. Et qui c'est en toi qui reconnaît pas ta divinité? Ah! Et pourquoi tu reconnaîtrais pas ta divinité? Ouh, je pleure. Qui es-tu, en fait, pour dire ça? Ou qui crois-tu être, plutôt? Pourquoi tu t'identifies à Carole? L'identité, puisque t'es pas Carole. Bah oui. Tu es le soi. Tu es l'être. Tu es l'amour. Alors dites avec moi, j'élimine le programme qui m'identifie à Carole, enfin à l'identité. Voilà, à l'identité. Je permets, j'autorise. J'élimine le programme qui m'identifie à une identité que je ne suis pas. Je permets, j'autorise. Je suis libre en vérité. J'ai le droit de me recréer à chaque instant. Je peux même me créer une nouvelle identité si je veux. Je permets, j'autorise. Je fais ce que je veux. Je me reconnais comme étant le soi. Je permets, j'autorise. Je me reconnais maintenant comme étant celle qui crée ma vie, ma réalité. Je permets, j'autorise. Et je n'ai pas peur d'un homme qui m'aime. Je permets, j'autorise. J'élimine les programmes qui me font croire que je ne serai pas à la hauteur. Ouh, je pleure. C'était ça le truc, tu vois. Je m'identifie à une pauvre petite identité victime du monde. Du coup, je mérite rien et blablabla. Ça fait des dizaines d'années que ça dure, ce truc, hein. Dans ta vie. Sinon, ça fait des milliers d'années que ça dure. Comment tu te sens? C'est bien. Alors, je crée la clarté en moi. Je permets, j'autorise. Je sors de l'identité factice. Je permets, j'autorise. Je suis la lumière, je suis l'amour. Je permets, j'autorise. Je suis celle qui voit tout. Je permets, j'autorise. Je suis la créatrice de ma vie. Je permets, j'autorise. Comment c'est là? C'est joyeux. Je sais pas, pour moi, c'est super clair. Hein. J'espère que je pourrais partager cette clarté. Mais est-ce que tu vois les choses différemment maintenant ou pas? Ou ça reste intellectuel? Ou je pleure? Alors, oui, ça reste un peu conceptuel. Pourquoi ça reste conceptuel? Alors, ou je pleure? Une respiration. 1, 2, 3. Alors, pour tout le groupe, une explication. Ça reste conceptuel parce que entre le moment où je comprends et le moment je comprends avec la tête, avec l'intellect, hein, ce qui est normal, et le moment où je réalise vraiment et le moment où j'intègre totalement, eh bien, il y a des étapes, en fait, tu vois. Donc, c'est OK. Sinon, sinon ça irait beaucoup plus vite pour toute l'humanité, quoi. Déjà ça va très vite, mais le temps que tous les systèmes se réorganisent, tu vois. Vous recevez l'information. Ah, c'est moi qui crée la réalité. Bon. Il y a plein de programmes qui disent c'est pas vrai. Il raconte des conneries, il a pris un champignon, il a bu je sais pas quoi. Et donc, pourquoi les programmes refusent? Parce que c'est pas leur intérêt. Alors du coup, comment vous allez faire pour savoir si c'est du lard ou du cochon, si c'est vrai? Eh bien, vous allez tester par vous-même si ce que je dis est vrai ou pas. Tu vois? Et finalement, c'est bien que le système, il gobe pas tout comme ça. Parce que sinon, vous goberiez aussi tout le reste. Et vous avez déjà gobé pas mal. Hein. Donc, c'est bien, finalement, tu vois, qu'il y a un système quand même qui vérifie, qui ressent, qui se méfie, qui valide, tu vois. C'est logique et puis c'est bien. Ah oui, parce que sinon ça serait pire pour l'humanité. Imaginez avec tout ce qui est gobé partout, si tout le monde croyait tout le temps sans aucun discernement, ça serait terrible, encore plus, tu vois. Et donc voilà, il y a tous ces systèmes-là, c'est le temps qu'ils comprennent, qu'ils se décident. Alors comment savoir si une vérité est vraie, entre guillemets, ou une info est vraie?
Eh bien, dans le cœur, je pleure, je résonne ou pas. Vous voyez le GPS, hein? Pour chacun, hein? Et chacun, ça va être différent, bien sûr. Donc, c'est là, voilà. Voilà. Et si je pleure, c'est que c'est vrai. Voilà. Des fois, je peux être inconfortable, c'est parce qu'il y a un programme qui n'est pas content. Comment tu te sens? Je ris. Tu sens, il y a un truc en toi qui sait que c'est vrai. Est-ce que tu le sens, ça, ou pas? Ouais? Ok. Et donc, ce qu'on fait ensemble, c'est enlever tous les programmes qui résistent à la réalité. Et j'appelle ça, moi, la réalité. Le fait que chacun soit le soi, l'être, appelez ça comme vous voulez. Voilà. Je pourrais dire aussi que c'est peut-être une autre réalité, en fait. Parce que toutes les réalités, finalement, ont le droit d'exister, et existent d'ailleurs. Si je crois que je suis l'identité, je vais vivre l'identité. T'as à peu près 8 milliards d'individus qui vivent comme ça. Ça marche techniquement. Si je réalise que je ne suis pas l'identité construite, mais qu'en fait, je suis ce que je suis, tu vois, la conscience universelle, l'être, alors c'est ce que je vais vivre aussi. Ouh, je pleure. Et qui a envie de se libérer de tout ça? Ben c'est toi. C'est le grand soi, tu vois. C'est pour ça que nous sommes là ensemble. Qui c'est qui a créé dans ta réalité cette scène d'initiation Shaktipat ou de retraite spirituelle stage là? C'est l'être. Qui c'est qui n'a pas réussi à venir, hein, pour toutes celles et ceux qui sont sur YouTube? Ben c'est l'identité qui n'a pas réussi à venir ou qui a des freins. C'est normal. Il y a quelque chose au fond de chacun qui sait que, oulala, c'est puissant, je vais me transformer si je viens. Donc chacun viendra quand il sera prêt, hein. Tu vois, c'est pas... C'est à chacun d'aller à son rythme. Ouh, je pleure. Il y a comme des étapes, tu vois. Voilà. Bon, bah voilà. Câlin. Gratitude. Donc, créer le chéri, il n'y a aucune difficulté. C'est juste s'abandonner à la volonté divine, ta volonté. Et puis, aller de l'avant, tu vois. Passer du temps avec celles et ceux, enfin plutôt ceux que t'aimes bien. Et puis, ça va se faire tout seul, en fait, normalement. Si tu passes du temps avec, tu vois. En fait, l'algorithme, si je puis dire, ou l'idée, ça serait de rencontrer physiquement des hommes qui te plaisent, et puis trouver des excuses pour passer du temps avec. Et laisser faire le charme, quoi. C'est vachement simple, hein. Si tu les laisses tous à distance, c'est sûr qu'il se passera rien. Tu vois? Qui c'est qui a pas confiance? C'est les programmes. L'identité, tu vois? Qui c'est qui a confiance? C'est ce que tu es. Je t'aime. Merci. Gratitude. C'est une question pour beaucoup d'entre nous, ça. Je t'aime. Normalement, si vous réalisez ce que j'ai dit, il faut à peu près 3-4 jours pour trouver quelqu'un maximum. Hein. Je parle d'expérience, là. Hein. C'est pas théorique. Hein. Maximum, quoi. C'est comme vous voulez aller dans un restaurant indien, bah voilà, vous allez prenez Google Maps, vous tapez restaurant indien, puis voilà. Ça, c'est une fois que vous aurez... Suivante. Gratitude. Donc en priorité, ceux qui ne sont pas encore passés. Hein. T'es pas encore passé, toi. Okay. Une respiration. Oh. Alors le dos bien droit, la tête bien droite. Voilà, ça n'a rien à voir. Oh. Voilà, le dos bien droit, la tête bien droite.
Une respiration. Garde les yeux fermés, il faut que les genoux soient plus proches. Ah oui, ça va. Une respiration. Garde les yeux fermés. Alors les mains bien écartées, à plat. Inspiration profonde. Et un âme, premier chakra. Oui. Ouh, je pleure. Ce que je ressens, c'est comme si t'étais passé sous un autobus, en fait. J'ai été cabossé par la vie. Ouh, je pleure. Ouais, j'ai été cabossé par la vie. J'ai reçu des coups, en fait. Ouh, je pleure. Ouais. Et donc, je suis cabossé parce que j'ai reçu des coups. Tu vois ? C'est tout simple. Alors, comment faire quand la vie m'a donné des coups, ou j'ai reçu des coups, en fait, des chocs physiques. Hein, quand je parle de coups, je parle de chocs physiques. Alors pourquoi j'ai reçu des chocs physiques? Mais parce que je suis particulièrement connecté au corps physique, et du coup tout est perçu fois 100, admettons, tu vois. Donc là où des autres moines n'auraient pas été cabossés, ben moi j'ai été cabossé. Tu vois, c'est comme si finalement ton corps était fait en papier aluminium, admettons, même s'il y a une force à l'intérieur. Donc du coup, il y a une forme de fragilité et ça se cabosse très vite, tu vois. Donc c'est et les choses ont été gardées dans le corps, tu vois, comme si le corps il avait la mémoire de toute ta vie. Ouh, je pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Et ça n'a pas été facile. Ah, je pleure. Voilà. Dès l'enfance, ça a été dur. En fait, j'ai vécu dans un environnement difficile. Voilà. Et du coup, je me suis adapté et mon corps s'est adapté à l'environnement difficile pour survivre. Tu vois? Et il y a comme un corps maintenant qui, donc ça vient de papa, hein, qui est en mode défense. Parce que j'ai peur que de prendre des coups, en fait. Et donc il y a cette toute cette défense, cette protection de j'attends de recevoir un coup. Je sais pas d'où va venir le prochain coup, un truc comme ça. Ah, je pleure. Et donc il y a l'identification, une identité qui croit ça, en fait, que je suis là sur Terre pour prendre des coups. Alors pourquoi je crois ça? Bah parce que c'est mon expérience. Donc, en fait, alors on va dire, maintenant est différent du passé, je permets, j'autorise. Maintenant est différent du passé, je permets, j'autorise. Le futur sera différent du passé, je permets, j'autorise. Voilà, je pleure. C'est ce programme-là qui fait croire que c'est toujours le passé qui se répète, mais non. Pourquoi non? Mais parce que comme c'est vous qui créez la réalité, si vous changez vous, votre réalité va changer. Vous voyez? Mais si vous changez pas, effectivement, le passé se répète puisque vous n'avez pas changé. Vous voyez? Mais il y avait la confusion, en fait. Avant, je croyais que mon futur allait être comme mon passé parce que, entre guillemets, c'est comme ça. Mais pas du tout. Si vous ne changez jamais, oui, votre futur sera toujours comme le passé. Ça, c'est obligatoire, c'est technique. Mais si vous changez, le présent et le futur vont changer. Tu vois? C'est logique, en fait. Ce qui manquait, c'est cette compréhension de l'intérieur vers l'extérieur. Tu vois? Mais si je comprends que je crée ma réalité, alors si je change ce que je suis, je change ma réalité et donc le maintenant et le futur. Tu vois, c'est QFD. C'est vraiment simple, quoi. Comment tu te sens avec ça? Ça va mieux? Alors, qu'est-ce que je dois changer en moi, finalement?
pour être plus cool, quoi. Tu vois, pour être moins sur la défensive, moins sur voilà, moins pour réparer en fait quelque part. Une inspiration. 1, 2, 3. Ouh, je pleure. Est-ce que déjà tu as remarqué que quand tu changeais, ta vie changeait? Depuis combien de temps? Depuis que tu es avec moi, d'accord. Avant, c'était pas... C'est nouveau alors? Ça fait combien de temps? Ça fait un an. Ah bah quand même, un an. Okay. Donc tu as vu, depuis que tu m'as rencontré, et ce que j'ai diffusé sur les chaînes certainement, que en changeant l'intérieur, tu changes ta vie. Et ta vie a changé depuis alors, j'imagine. Ouais. Qu'est-ce qui a changé? Comportement. Okay. Par exemple, je donne un exemple pour tout le monde. Si vous commencez à vous aimer, hein, admettons que, je sais pas, une méditation, un câlin, un stage, vous finissez par vous aimer un peu plus. Qu'est-ce qui va se passer techniquement? Vous allez dire non à toutes celles et ceux qui sont dans le déni de vous. Tu vois? Vous allez leur dire d'aller voir ailleurs. Parce que je m'aime. Et donc je pose mes limites. Ou je pleure. Tu sens que je pose mes limites? Non. Alors, j'ai un programme qui m'empêche de poser mes limites. Ok. C'est pas pareil, hein. Voilà. Je vois mes programmes qui me limitent. Je permets, j'autorise une respiration. 1, 2, 3. Alors, pourquoi j'ai un programme qui m'empêche de poser mes limites? Ah, ça, c'est une bonne question, non? Une respiration. 1, 2, 3. Parce que je n'ai pas encore assez confiance en moi. Voilà. Et parce que avec le papa et l'autorité de papa, c'était papa l'autorité et j'ai pas encore créé mon autorité. Ah, j'ai pas encore créé mon autorité. Bah, il serait temps, hein, mon chéri. Tu vois? Je suis encore sous l'autorité de papa. Ah oui, c'est toi qui habites chez papa. Quel âge tu as déjà? 48. Ah, ça. J'étais content de partir à 19, moi, tu vois. T'es parti, ouais. Et t'es revenu. Ouais. Alors, une inspiration. 1, 2, 3. Alors, nous allons dire, je suis ma propre autorité. Je permets, j'autorise. Je suis mon propre territoire. Je permets, j'autorise. Voilà. Je ne suis plus sous l'autorité de papa. Je permets, j'autorise. Je ne suis plus sous l'autorité de maman. Je permets, j'autorise. Je suis libre. Je suis souverain. Ah! Une respiration. 1, 2, 3. Donc pour vous donner une explication, plein de programmes, bah venant de l'enfance et de l'éducation, m'ont fait croire que j'allais rester toute ma vie sous l'autorité de papa. Il n'y a pas que toi, hein, j'ai vu ça plein de fois. Et pour les femmes, c'est encore pire, parce que les femmes, de toute façon, dans la société, n'ont même pas le droit d'avoir leur propre autorité. Donc pour les femmes, dites « je suis ma propre autorité ». J'élimine la croyance et les programmes que l'autorité est uniquement masculin. Je permets, j'autorise. Parce qu'en fait, l'autorité est autant féminin que masculin, hein. Mais la société patriarcale, c'est un gros programme, avec plein de programmes à l'intérieur. Voilà, nous avons déjà vu ça cette semaine aussi. Voilà, fait croire que... Voilà. Et ça s'est retrouvé dans le droit de vote des femmes qui date de 1945 seulement, hein. Et le compte bancaire dans les années 60 seulement. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, c'était il y a une seconde dans l'histoire de l'humanité, hein. Donc c'est encore dans tous les programmes de toute la société. Ok. Et dans le système patriarcal, effectivement, non seulement les femmes sont des objets pour les hommes, mais en plus les enfants appartiennent vita aeternam aux parents. Ça fait partie du système patriarcal, hein. C'est des programmes qui disent ça. Et les enfants qui y croient, parce qu'il y en a qui y croient, eh bien, vont voilà, devoir quelque chose aux parents toute leur vie. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, dites avec moi. Je réalise que j'ai créé mes parents. Voilà. Je reprends ma souveraineté. Je ne dois rien à papa et à maman.
permets, j'autorise. Voilà. Comment tu te sens avec tout ça? Travail dans le ventre. Ouais. Ben oui, puisqu'en fait, c'est un changement de paradigme très important. Avant, j'avais pas d'autorité. Maintenant, je vais avoir mon autorité. Voilà. Et pour répondre à la question pourquoi j'ai pris des coups, ben parce qu'en fait, je n'avais pas le droit de dire non. Tu vois le problème? J'avais des programmes qui disaient obéis, quoi. Alors on va dire, je ne suis pas venu pour obéir aux autres. Je permets, j'autorise. Elle est rigolote celle-là. Je ne suis pas venu pour obéir aux autres. Je m'autorise à désobéir. Je permets, j'autorise. Bon, merci de respecter quand même les règles du centre ici. Hein. C'est... Parce qu'il y a aussi finalement, j'honore l'autorité de là où je suis. Je permets, j'autorise. Donc si quelqu'un vient chez vous et que vous dites, bah faut enlever les chaussures, c'est bien que les gens respectent l'autorité chez vous, quoi. Donc, il y a quand même le discernement à avoir, hein, d'honorer. Alors, on va dire, j'honore ma propre autorité et j'honore l'autorité des autres. Voilà, et c'est ça qui va enlever tous les abus. Pourquoi il y a plein d'abus dans notre société? Parce que les gens ne veulent pas honorer l'autorité des autres. Que ce soit dans le couple ou dans les amis ou plein de choses partout. Tu vois le problème? C'est des programmes qui disent, je respecte pas l'autorité. Et c'est très important de respecter l'autorité de chacun. Tu vois? Typiquement, c'est l'homme sur la femme dans le système patriarcal aussi. Hein. Une respiration. 1, 2, 3. Donc voilà. Est-ce que tu vois comment tu as subi en fait des autorités abusives en fait? Tu sens? Hein, c'est ça le thème hein, dans ta vie. Comment je fais pour me réparer après avoir subi des autorités abusives? Ouh, je pleure. Déjà, c'est le voir, ok? Alors, nous allons dire, je vois les autorités abusives. Je permets, j'autorise. Voilà. Ouh, je pleure, voilà. Déjà, c'est le voir, parce que souvent, la plupart des gens voient rien du tout et se laissent abuser, en fait. Ok? On va dire, j'efface les programmes d'autorité abusive. Je permets, j'autorise. Je suis une autorité qui s'abandonne. Je permets, j'autorise. Je suis une autorité bienveillante. Je permets, j'autorise. Voilà, je pleure. Du coup, c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, après, ont rejeté toute forme d'autorité. Sans discernement. Oui, parce qu'il y a des autorités qui sont bien et d'autres pas bien, tu vois. C'est pas l'autorité en elle-même le problème. C'est l'abus d'autorité par certaines identités. Mais une fois que vous êtes aligné avec le grand soi, ce que vous êtes, l'être, eh bien, vous n'êtes pas dans... l'abus, puisque tout est vous, vous êtes dans l'abandon. En même temps, vous avez quand même posé vos limites, le cadre, le territoire. Vous voyez, hein, comment ça marche? C'est pas avec ou sans autorité, c'est définir une autorité qui respecte chaque autorité. Tu vois le truc? C'est très important et il y a beaucoup de problèmes là-dessus, j'ai remarqué. Une inspiration. 1, 2, 3. Donc la clé, c'est je crée mon autorité. Je respecte ma propre autorité, donc je ne me laisse pas abuser, ok, je permets, j'autorise, et je n'abuse pas les autres non plus, du coup. Voilà. C'est juste simple, en fait. C'est comme si, à un moment, tous les territoires sont reconnus. Vous voyez? Hein, tout le monde comprend dans le groupe? Hein, c'est clair, en fait, non? C'est simple, en fait. Une respiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens? Dans le dos, ok, bah c'est le mouvement aussi, hein. Tu peux faire des mouvements, laisser le corps faire, voilà. Alors, purge, oui, purge de quoi? C'est Benjamin qui parle. Purge de. Ah, ok. Alors, accueil des résistances, voilà. Je permets, j'autorise l'accueil des résistances. À toutes les résistances intérieures, je t'aime. Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, merci. Voilà, je permets, j'autorise. Voilà, j'accueille les résistances. Et quand elles sont accueillies, les résistances ne sont plus des résistances. Hein? Ouh, je pleure. Voilà, c'est l'amour qui accueille les résistances. Mais tant qu'il y a un programme qui contre les résistances, bah ça résiste en fait. Hein? Donc là, ma recommandation, c'est plutôt d'aller dans la tendresse, la douceur. Il n'y a pas besoin de forcer. Voilà.
tranquillement. Voilà, prise en charge de toutes les résistances. Voilà, merci. Avec douceur. Pourquoi la douceur ? Plus particulièrement dans ton système, parce que ça a été dur tout le temps. Donc ça sert à rien de continuer ce système de dureté, tu vois ? Ouh, je pleure. C'est important de comprendre, c'est des programmes qui créent la dureté. L'être, le soi, est par nature doux, gentil, dans l'amour. D'ailleurs, vous verrez, tous ceux qui réalisent le soi ont tendance à être très gentils et doux et dans l'amour, ce qui est logique. Vous voyez, hein ? C'est des programmes, la dureté. C'est le programme de dureté. Voilà. Ouh, je pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, nous allons dire, j'élimine les programmes qui me font croire que je dois être dur avec moi. Je permets, j'autorise. Je suis doux, douce avec moi. Bah oui. Surtout que la dureté rajoute de la dureté, et les résistances rajoutent de la résistance. C'est la guerre qui amène la guerre, hein, tout simplement. Hein. Ben oui. La guerre amène la guerre. Toujours plus de guerre. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Et la paix amène la paix, d'ailleurs. C'est pareil dans l'autre sens. Ouh, je pleure. C'est quoi la paix ? Et la paix, c'est quand j'accueille. C'est pas quand je résiste. Ben oui, c'est évident, non ? Hein ? Vous comprenez ? J'accueille. On va dire j'accueille, je permets, j'autorise. J'ai la capacité d'accueillir beaucoup, je permets, j'autorise. Alors je dis pas que vous avez la capacité de tout accueillir non plus, je comprends. Mais déjà, c'est l'idée de, ah, plutôt que d'être dans la résistance, je suis dans l'accueil des résistances. Je suis pas dans la résistance aux résistances, vous voyez le truc ? Ouh, je pleure, voilà. Nous allons dire j'accueille toutes mes résistances. Je permets, j'autorise. J'accueille avec amour et tendresse mes résistances. Voilà. Et du coup, tout d'un coup, ça résiste moins. Je résiste moins, puisque j'accueille. Tu vois ? C'est simple, en fait. Voilà. Et en fait, effectivement, dans ton système, c'est dur parce qu'il n'y a pas d'accueil. J'ai jamais été accueilli dans l'enfance. Tu sens ? Ouh, je pleure. Voilà. Et maintenant, on va dire, je m'accueille. Voilà. Chacun va commencer à s'accueillir. Ça veut dire écouter tous ses besoins corporels, émotionnels, corporels, intellectuels aussi, tout. C'est pas un système de rejet que je vous propose, c'est un système d'accueil de toutes vos parties. En fait, il y a du bon dans tous les systèmes et même dans plein de programmes. Hein. Il s'agit pas de dire que tous les programmes sont pas bons non plus. Il y a des bons programmes. De toute façon, tout est programme. C'est comme un oignon quand nous enlevons les programmes, tu vois. Une respiration. 1, 2, 3. Pourquoi je dis tout est programme ? C'est parce que tout est créé, en fait. Tout est conçu. Alors, il y a un truc sympa que j'ai réalisé justement dimanche. Je réalise que j'ai été créé. Je permets, j'autorise. Voilà, j'ai été créé. Ressentez, je permets, j'autorise. C'est vraiment important, ça aussi, parce que c'est la réalisation qui a un niveau supérieur. Voilà, c'est pour enlever les égos spirituels. J'ai été créé. Oui. Ressentez, ça pleure, je pleure. Voilà. J'accueille mon enfant intérieur. Je permets, j'autorise. Voilà, je joue avec mes amis. Je permets, j'autorise. Voilà. C'est ça qui a été, enfermé. C'est l'enfant intérieur. Et ici, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que nous faisons tous ensemble ? Bah, nous jouons avec notre enfant intérieur. Nous faisons que ça. Tu vois, depuis le cœur. Nous sommes comme des enfants ici, vous avez remarqué. Voilà. Si j'ai besoin d'un câlin, je demande, je fais un câlin. J'ai besoin d'être écouté. Et nous revivons tout ce qui n'a pas été vécu dans l'enfance. Tout simplement. Une respiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens ? T'es fatigué ? Moi, je suis en pleine forme. Bon, alors, ok. Je t'aime. Je t'aime. Gratitude, merci. Continue le yoga. Moi, je suis en pleine forme parce que je fais du yoga et du sport. C'est pour ça que je suis en pleine forme. Si je faisais rien, je pourrais pas faire ça. Hein. Ça, c'est sûr. C'est physique, si tu veux, tu vois. Parce que la lumière, l'amour,
l'énergie, c'est de l'énergie, est dans ce corps. Tu comprends? Je t'aime. Donc c'est une question d'entraînement. Donc entraînez-vous à recevoir la lumière et l'amour. C'est un entraînement physique. Hein. Je t'aime. Gratitude. Bon, on va te reposer. Hein. Si c'était un peu... Je t'aime. Gratitude. Je t'aime. Oui, se reposer. Alors, quelle heure il est? Ah ben non, bon, on va arrêter, là, c'est l'heure. C'était assez puissant, hein? Ouais. Parce qu'en fait... oui, c'est fini, ça va continuer demain et après-demain et samedi. Allez, on va revenir. Comme ça, on reste dans l'emploi du temps et on fera la suite demain. Mais c'était deux beaux sujets que nous avons traités. Nous allons tout doucement ouvrir les yeux, frotter les mains. Voilà, c'est un apprentissage pour revenir. Et nous allons nous dire je t'aime avec les yeux, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Gratitude, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Et ressentez le je m'aime à l'intérieur du je t'aime. Hein. Parce que dans je t'aime, en fait, il y a je te reconnais comme étant moi. Hein, peut-être certains peuvent ressentir. Et donc il y a un je m'aime caché dans le je t'aime. Donc n'hésitez pas à dire je t'aime à tous les moi, à tous les je que vous pouvez voir. Déjà parce que ça leur fait plaisir, ils le ressentent. Et puis voilà, ça change de l'autre système. Je crois que t'es différent de moi. Là c'est je t'aime. Et d'ailleurs il y a une civilisation où ils disent bonjour autre moi. Je sais plus comment ils disent. Il y a un mot comme ça à la place de dire bonjour. Câlin. Non, c'est pas namasté, c'est un autre, c'est un truc d'Amérique du Sud. Ah, bonjour, bienvenue. Ah. Oui, câlin, 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 câlin. Gratitude, bonjour. Namasté. Merci. Wouhou. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. À bientôt. Bonne journée pour toutes celles et ceux qui sont à distance. Gratitude. Mettez en commentaire comment vous avez ressenti notre début d'atelier, en fait. Hein. Notre yoga. Qui est évidemment plus que du yoga. Voilà, gratitude à celles et ceux qui envoient des messages. Les messages de l'au-delà, merci. Coro, merci. Ophélie, merci. Faites un coucou sur YouTube que je vous vois. Merci à Véro, merci à Colette. Il y a 20 personnes sur YouTube, mais je vois pas les noms. Voilà, faites juste un petit coucou. Gratitude. Si Coro pouvait passer dans le dialogue avec l'être ou dans le troisième œil, ça serait bien samedi et dimanche. Voilà. Et attention, vous allez recevoir un email aujourd'hui. Ah ah, un email où je vais vous parler de mes secrets. Ah ah, restez à l'écoute. Normalement, c'est pour tout à l'heure. Je t'aime. Je t'aime. Merci Sandrine. Merci Isabelle. Gratitude Laetitia. Merci Véro aussi. Ah bah oui. Voilà. Mettez un petit mot comme ça, je le passe à l'écran. Gratitude. Je t'aime. Je t'aime. Voilà, chacun peut mettre comment vous sentez, comment vous avez vécu l'atelier. Il reste encore un peu de place fin octobre pour ceux qui veulent. Et après, il y aura évidemment le Costa Rica en décembre. Où là, ça risque d'être très, 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 très beau. Et très fort aussi pour celles et ceux qui veulent réaliser le soi rapidement. À bientôt, merci, gros bisous,
Ciao. Je m'aime.